Jean-Claude Rougier, on va notamment s'intéresser au numéro 211. Vous avez acheté pas mal de Yearling aujourd'hui. Et le 211, c'est une fille de Martaline, une des seules Martaline du catalogue. C'est pour l'obstacle ? C'est pour le plat d'abord. Puis on verra si elle a assez de galop pour gagner sa vie en plat. Puis après, on sait qu'il y a une deuxième voie qui est l'obstacle. Elle a sa sœur qui a bien débuté à Auteuil l'autre jour. Voilà, c'est un double usage. Alors parlez-nous de votre passion pour l'obstacle. Ça vous branche sur une échelle de 1 à 10 à combien ? Non, bah, c'est le début de ma carrière. Donc j'ai plus été entraîneur d'obstacle que de plat pendant les 15 premières années de ma carrière. Donc, puis voilà, puis c'est le fait de. C'est plutôt la rencontre. Avec François Nicole, on se connaissait, mais on ne se croisait pas tellement parce que maintenant on est chacun. Les trotteurs sont d'un côté, les gars d'obstacles de l'autre, nous de l'autre. Les sociétés mères ont réussi à bien nous séparer pour qu'on ne se parle pas, c'est intelligent. Et voilà, puis on s'est retrouvés. Et puis voilà, une histoire d'amitié qui s'est créée. Alors justement, évoquez-nous là cette histoire. Ça fait depuis combien de temps que vous avez des chevaux en association avec François Nicole ? Au départ, j'ai mis un cheval qui m'appartenait entièrement. The Stomp, que c'est très bien servi, le cheval avait l'aptitude à l'obstacle, et puis François l'a bien exploité, et puis voilà, mais c'est pas pour ça, ça serait mal passé, ça aurait été pareil, voilà, on est très liés amicalement, et puis voilà, c'est amusant, et puis pour moi c'est un loisir, c'est pas... C'est ce que vous avez toujours dit, vaut mieux, quand on est propriétaire de chevaux, vaut mieux prendre ça comme un loisir, justement. Ça doit être un loisir, oui. Ouais, ouais, moi, je prêche que les entraîneurs ont trop de chevaux personnels. Alors on me dit, mais oui, mais toi, tu as beaucoup de chevaux personnels aussi maintenant, donc c'est pas la peine d'aller raconter n'importe quoi. Mais non, c'est complètement différent. J'ai jamais eu de chevaux personnels pendant les 25 premières années de ma carrière. Aujourd'hui, de toute façon, ce que je gagne, tout le monde le voit, vous n'avez qu'à aller sur France Gallo, vous voyez ce que je gagne, hein. C'est 10% des gains des chevaux. Donc comme je ne perds pas d'argent sur les pensions, c'est facile à compter, hein. Donc il n'y a rien à cacher, j'ai de l'argent, et puis je ne sais pas quoi en faire. J'aime pas la bourse. C'est un placement, les chevaux d'obstacle ? C'est un amusement. Parce que c'est à haut risque, hein. Donc c'est un amusement, voilà. Ça durera, peut-être que je m'en fatiguerai s'il y a des mauvais passes. Il y a quand même beaucoup de pépins avec les chevaux d'obstacle. Hein. J'ai arrêté d'entraîner les chevaux d'obstacle. Et en ce moment, vous avez combien de parts différentes de chevaux d'obstacle ? Je dois en avoir 7 ou 8 à peu près. Ouais. Tous chez François Nicole ? Oui. Ok, merci beaucoup Jean-Claude Rougier. Peut-être un nouvel investisseur également chez les trotteurs ? J'ai déjà eu des trotteurs, ça n'a pas forcément bien fonctionné. Et puis on est tellement éloignés, ce sont deux qu'on ne rencontre plus personne. Alors là, vraiment plus personne. Donc c'est pas comme ça qu'on donnera l'envie aux trotteurs d'acheter des galopeurs et aux galopeurs d'acheter des trotteurs. Alors justement, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette distance de créé entre les trotteurs, les galopeurs, les sauteurs aussi ? Si on se rappelle avant, c'était des réunions mixtes, il y avait de tout. Vous aviez une réunion de 7-8 courses, vous aviez 3 courses plates, 3 courses d'obstacles. C'était obstacle ou trop plat, ou plat obstacle. Il ne reste plus qu'à Bordeaux, où on a encore une bonne mixité avec les chevaux d'obstacle. Ouais, c'est tout, mais bon, il y a eu une volonté du cheval français de faire que des réunions de trot, il y a une quinzaine d'années de ça. Et voilà, donc on ne se côtoie plus du tout, quoi. Avec les trotteurs, plus rien. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines heures ? On peut me souhaiter continuer à avoir le même coefficient de réussite dans l'écurie et puis de sortir des chevaux de groupe. C'est maintenant notre but, c'est plus le nombre de gagnants, c'est d'approcher le Graal avec les groupes 1 si possible. Voilà. Merci Monsieur Rougier, bon vent. Merci.